Gyananjana Sharakaya Chakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Pranamami Hari Priye Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Yakudendra Tushurada Dvara Yashubhra Vastra Vrita Yavina Varadanda Mandita Samam Patu Sarasvate Bhagavate Bodhi Pradam Sharade Vancha Karpatarubhyascha Kripasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Du coup, directement aller sur les slides. Donc ce soir, on va finir le chapitre 2. On va finir le chapitre 2 et on va aussi parler un petit peu de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on ne va pas faire une session normale. Je ne vais pas vous donner un nouveau contenu, mais je vais vous apprendre une technique. Et pas seulement vous apprendre la technique, on va aussi le faire ensemble. Je vais vous montrer comment mémoriser, une technique pour mémoriser qui est extrêmement, extrêmement efficace. Et du coup, comme ça, vous pouvez, pendant, on fait une heure ensemble, et pendant ces une heure, vous pourrez mémoriser quelques points clés du chapitre. Et du coup, on n'aura pas fait ce chapitre pour rien. Ça, vous pouvez vous en souvenir. Correctement. En tout cas, juste les grandes lignes, ça va être très facile de s'en rappeler. C'est Et génial et merci beaucoup. de rien, je vous en parlerai la semaine prochaine, vous allez voir, c'est utile. Parce que sinon, je sais comment c'est, bah, c'était pareil pour moi. On va passer au chapitre 3, et du coup, le chapitre 2, c'est. Oui, vous aurez une vague idée de ce que c'est, mais ça sera difficile. Si on vous demande de l'expliquer, ça va être difficile. Tandis que justement, si on fait cet exercice, vous allez voir qu'après, ça va être simple. Du coup, ce soir, on va parler de la dernière partie du chapitre 2, qui s'appelle Les qualités d'une personne réalisée. Et donc, s'il y a un terme que vous voulez retenir ce soir en sanskrit, c'est ce terme qui est ici, Stita Pragna. Je pourrais vous l'écrire sur le groupe si vous voulez. Si vous voulez, ce n'est pas un terme qui est utilisé normalement souvent, on va dire. C'est extrêmement utilisé dans les commentaires en philosophie. Parce qu'en gros, Stita Pragna, c'est le mot que Arjuna et Krishna utilisent dans toute la fin de ce chapitre pour expliquer quelqu'un qui est établi dans cette connaissance qu'on a compris dans les dernières semaines. Quelqu'un qui est établi dans cette connaissance du soi, il s'appelle un Stita Pragna. Pragna, ça veut dire justement cette conscience, cette connaissance. Stita, ça veut dire celui qui est établi. Donc un Stita Pragna, c'est quelqu'un qui est établi dans cette connaissance. Une personne réalisée ou bien une personne qui est extrêmement claire sur ça, sur ce point. Donc si jamais vous voulez le retenir, top. Ça ne vous sera pas demandé, je pense, dans aucun cours sur l'académie. Peut-être que vous allez peut-être le voir dans la Bhagavad Gita niveau 2, mais à part ça, je ne crois pas qu'il y a de questions à propos de ça, dans mon souvenir. Mais c'est bien de le savoir.
Donc, un stita prajna. Donc, Arjuna, il pose cette question. Avant qu'on aille regarder ça, on va juste se rappeler un tout petit peu de ce qu'on a vu les trois parties précédentes. Vous voyez? Krishna, il a parlé de trois choses avant de venir à ce verset-là. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un petit peu ce qu'on a vu au chapitre 2 pour l'instant? Le Hitaksha? Le karma yoga. Ok, le karma yoga, c'est un des points. Mais le karma yoga, il y a deux composantes du karma yoga. Et on les a aussi vues séparément. Il y a l'équanimité et le mental concentré. Ok, ça c'est deux qualités du karma yoga, c'est vrai. Ouais. Clairement. Mais là, ce que j'attendais, c'est autre chose. C'est il y a deux composantes qui font qu'on peut aller vers cette équanimité. Le karma yoga, c'est, on a vu, karma et yoga. Donc c'est quoi ces deux composantes qui composent le karma yoga? C'est ça l'idée. C'est le Samkhya et le Dharma. Exactement, parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est exactement ça. Première chose au chapitre 2, Krishna il a commencé à lui parler de Sankhya. Donc il lui a dit, voilà, tu n'es pas ton corps, tu es une âme séparée. Avoir cette connaissance spirituelle de la matière et de Atma, du spirituel et du matériel. En gros, c'est ça l'idée. Excusez-moi juste une seconde, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que c'est en train d'enregistrer ou pas? Oui, c'est en train. Ok, c'est ok. J'ai juste vérifié que ça soit bien enregistré. Donc, on a vu. Il lui parle du Sankhya, premièrement. Donc, en gros, c'est du verset 10 au verset 30, par là. Il lui parle de Sankhya. C'est quoi le Sankhya? Cette différence, l'âme et le corps, le matériel, le spirituel. Ok. Ça, je pense que vous avez bien compris. Ensuite, comme Atuliyadas il a dit, il lui parle du Dharma. Il lui dit, c'est quoi de faire son devoir? Et lui dit, t'es un guerrier. Donc même si tu mets de côté cette notion spirituelle de l'atma, même si tu te mets de côté ça, vu que t'es un guerrier, si tu te bats, en faisant ton devoir, tu peux atteindre les mondes célestes. Tu vas pas atteindre la réalité spirituelle, mais tu vas atteindre les mondes célestes, et tu auras tous les plaisirs là-bas. Et si tu gagnes la guerre, et que tu restes vivant, du coup, tu pourras avoir le royaume pour toi. Donc il lui dit, en faisant ton devoir, t'es complètement gagnant à tous les niveaux. Donc il lui a parlé du dharma, qui est de faire son devoir dans la vie. Et il lui a parlé du sankhya, qui est la connaissance de l'âme et du corps. Et donc maintenant, il lui explique comment agir dans le monde, comment faire son devoir, son dharma, avec la conscience du sankhya, pour transformer son karma, son dharma, en karma yoga. Parce qu'il lui a dit, si tu fais ton dharma, tu vas atteindre les mondes célestes. Tu ne seras pas libéré, mais tu vas atteindre ces mondes célestes. Tu vas atteindre des plaisirs. Mais après, ce qu'il lui dit, le karma yoga, c'est de faire ton devoir sans le désir pour ces mondes célestes. Seulement comme un devoir. En étant conscient, je suis différent de mon corps. Je suis différent de toutes ces pensées, de toutes ces émotions. Je suis spirituellement une âme éternelle. Et mon but, c'est d'atteindre Dieu. En agissant de cette manière-là, sans le désir pour les fruits de nos actions, donc comme Arjuna par exemple, sans le désir d'atteindre les mondes célestes par sa guerre ou ce genre de choses, ou d'avoir un royaume, sans avoir ce désir profond qui le consume, s'il agit de cette manière-là, il va pas atteindre les mondes célestes, mais il va atteindre l'atma. Il va atteindre son âme. Il va être établi dans Brahman. On va voir ça, et le chapitre il finit comme ça. Il va être établi dans Brahman. Ok. Est-ce que ça a du sens, ça? N'hésitez pas à poser des questions, sinon. Mais je pense que vous avez bien compris. Parce que pourquoi j'insiste beaucoup, beaucoup, c'est parce que le chapitre 2, c'est un résumé de toute la Bhagavad Gita, en gros. Et c'est souvent un des plus difficiles à comprendre.
Les 6 premiers chapitres, ils sont pas difficiles en soi. Mais pour vraiment comprendre le fil conducteur entre tous ces chapitres, on passe un peu de temps. Et les chapitres qui viennent après, de 7 à 18, c'est pas difficile du tout. Le fil conducteur, il est clair. En gros, c'est juste une discussion sur Bhakti et sur les gunas. Mais les premiers chapitres, c'est important de vraiment comprendre les premières choses qu'il enseigne à Arjuna et pourquoi il les enseigne comme ça. Et donc, ça nous amène. Donc, il lui a expliqué le Dharma, il lui a expliqué le Sankhya, Sankhya, Dharma, Karma Yoga. En gros, c'est ce qu'il lui a expliqué jusque maintenant. Là, maintenant, Arjuna, il pose la question. Il dit, OK, tu m'as expliqué le Sankhya, tu m'as expliqué le Dharma, tu m'as expliqué comment combiner ces deux et agir dans le Karma et Yoga. Tu m'as expliqué comment on peut être établi dans le soi, dans Brahman, par cette pratique. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un qui est établi là-dedans, voyez ici, Stita Prajnasya, comment est-ce qu'un Stita Prajna, comment est-ce que quelqu'un qui est établi dans cette connaissance, comment parle-t-il? Quelle sorte de propos tient-il? Comment est-ce qu'il s'assoit? Comment il bouge? Comment... En gros, comment est une personne qui a atteint ce soi? Parce qu'apparemment, il continue d'agir. Krishna a dit, l'action, elle continue tout le temps. Donc, qu'est-ce qui change? Comment elle est cette personne qui est parvenue à cette réalisation? Vous voyez? Et à la fin du chapitre, elle va... C'est Krishna qui répond à cette question. OK? On commence. Lorsque quelqu'un renonce à tout désir émergeant du mental, ô Arjuna, lorsque seul le soi peut le satisfaire, alors on le dit d'une sagesse stable. Sagesse stable, stita prajna tadocchate. Stita prajna tadocchate, ça veut dire en gros, on le dit d'une connaissance stable, une réalisation établie, une sagesse stable, en gros. Donc ça, c'est l'idée. Quelqu'un qui a renoncé à tout désir. Donc l'idée du karma yoga, c'est qu'on continue d'agir, mais on a renoncé à tout désir. On agit seulement par un sens du devoir. Parce que c'est notre dharma, on agit comme ça. Mais on n'a pas de désir d'atteindre certains plaisirs ou d'atteindre des honneurs, d'atteindre des gloires comme ça, ou que quelqu'un nous dise « Ah, t'es tellement bien dans ton travail ». C'est pas l'attente, ou d'être reconnu par la société. C'est pas ça, on fait pas ça pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 2, oh, dans les premiers versets, on avait vu verset 16, il a parlé du réel et de l'irréel, non? En gros, il a dit que vu que Prakriti, tout ce qui est matériel, ça change constamment, le sage, il dit, c'est comme si ça n'existait pas. Tandis que le soi, il change jamais, et en gros, c'est ce qui est vraiment réel. En gros, quelqu'un qui est établi dans cette connaissance, pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à avoir des honneurs? Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas le plaisir? Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas toutes ces choses-là? Tous ces désirs qui émergent du mental. Pourquoi il les a plus? Parce qu'il a compris que toutes ces choses-là, elles sont liées au corps physique, à la matière, et que la matière, elle est irréelle, dans le sens où Krishna, il le définit. C'est pas que c'est une illusion, hein, mais c'est pas réel parce que ça change constamment, il n'y a rien de stable là-dedans. Ce qui est stable là-dedans, c'est l'atma. Et donc, ils sont immergés dans le réel, et donc, ils ont renoncé à tout désir qui émerge du mental. Vu qu'ils sont plus identifiés au corps, ils sont plus identifiés à l'irréel. Ils sont identifiés à ce qui est constant. Atma, le soi. Et ça nous amène à cette deuxième partie. Ô Arjuna, lorsque seul le soi peut le satisfaire. Donc il y a deux qualités ici. Plus de désir, satisfait dans le soi. Ces deux qualités de quelqu'un qui est établi là-dedans. Et on va voir comment ces désirs se manifestent dans les prochains versets.
Bah, ça arrive maintenant. Lorsque. Donc là, c'est des versets qui sont extrêmement. Souvent, on en parle souvent. Ah, Atuliadas, t'as une question? Pour arriver au fait qu'on comprenne que cette réalité matérielle est irréelle, est-ce que le fait de passer par le karma yoga, c'est un chemin qui est obligé ou on peut comprendre ça d'une autre manière? Non, il y a d'autres manières. Okay. Mais juste, comprenez bien quelque chose. Quand on dit que cette réalité matérielle, elle est irréelle, de nouveau, j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire que c'est une illusion. On ne parle pas de philosophie de l'Advaita Vedanta ou impersonnaliste qui disent que tout ça, c'est une illusion et que ça n'existe pas vraiment. C'est pas ça qu'on dit. Quand on dit que c'est pas réel, on dit que ça change constamment. Et du coup, pour Krishna, il définit ça, il définit ce qui change constamment comme non réel. C'est juste un point que c'est bien important de comprendre. Nous, les Vaishnavas, on est aussi d'accord avec ça. On dit ce monde, on peut dire qu'il n'est pas réel parce qu'il change constamment. Guruji l'a dit dans le Satsang il y a quelques jours. La même définition que Krishna. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréel de la même manière que les philosophies impersonnalistes comme l'Advaita Vedanta de Adi Shankara comprennent irréel. Mais du coup, pour répondre à la question, non, il y a plusieurs chemins. Et c'est le truc. C'est qu'il y a Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. Après, est-ce que ces trois chemins, qui sont comme trois chemins complètement séparés l'un de l'autre? Non, pas vraiment. Les trois, ils sont constamment mixés, si on veut. Mais en réalité, c'est pas que les trois, c'est pas que tu as trois fois le même, tu vois, et qui sont mixés l'un dans l'autre. Ce que Krishna explique dans la Gita, c'est qu'il y a le chemin de la bhakti. Bhakti, c'est le chemin principal, et karma et jnana, la connaissance et l'action, le chemin de la connaissance, le chemin de l'action, c'est comme des aides. C'est comme des choses qui vont aider à amener cette pure dévotion. Tu vois? Et ça vient dans le Chandilya Bhakti Sutra. Il y a un sutra là-dessus. Où il dit clairement, il dit que jnana et karma, ils ont leur place comme des aides pour la dévotion. C'est à ça qu'ils servent, quoi, en gros. Donc oui, c'est des chemins indépendants pour atteindre le soi, mais ultimement, pour le but de la vie qui est d'atteindre Dieu, il n'y a que la dévotion, et ces deux chemins, ils vont venir aider la dévotion. Ça répond un peu à la question? Oui. Et on pourra voir, si tu veux, après, ça dépend à quelle heure on finit les slides, mais si on finit tôt, je peux vous expliquer les trois, de quelle manière on se désidentifie du corps par ces trois chemins. C'est juste trois approches différentes. Je peux Ouais. poser une question? Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on dit que donc, la prakriti, c'est irréel dans le terme, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas vrai, c'est pareil. Pas vrai, en gros, c'est littéralement ce que Krishna dit. Il dit, c'est asat. Donc, sat, Asat. sat, ça veut dire la vérité. D'accord. Asat, c'est la négation de la vérité. C'est pas vrai, en gros. Ouais, c'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Donc, c'est encore Ouais, plus je littéral comprends mieux que comme ça, ouais. OK. irréel. Ouais. C'est OK. encore plus littéral. Ouais, c'est important de bien comprendre ce concept. Parce que sinon, tu vois, quelqu'un se demande. Quelqu'un va te demander, ok, c'est quoi la philosophie de Paramahansa Vishwananda? Ah, ce monde, il est irréel. Et du coup, ils vont dire, ok, bah du coup, ils suivent Adi Shankara et l'Advaita Vedanta. Et c'est pas du tout le cas. OK. Yeah. Mais c'est juste, c'est pour ça que c'est bien important de comprendre ces choses-là. N'hésitez pas à poser des questions, et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on en reparle, quoi. OK, oui, je comprends mieux voilà pour moi quand je vais mettre le mot en fait, ce n'est pas la vérité quoi, voilà. C'est ça, c'est pas la vérité, c'est pas la plus haute réalité. Oui, OK, Tu peux aller merci. dans le sens-là aussi. Donc là, on a deux versets qui sont extrêmement pratiques. Ces deux versets, c'est les deux premiers versets que j'ai entendus vraiment de la Bhagavad Gita par Swami Chidananda il y a des années, il y a peut-être 7 ans, 6-7 ans. Et il m'avait extrêmement marqué parce que je les avais trouvés tellement applicable à la vie de tous les jours, si on veut.
Et c'est vraiment de la psychologie, pure psychologie par Krishna. Ici. En gros, qu'est-ce que Krishna il nous explique? Il explique comment le désir se manifeste. Et qu'est-ce qui se passe quand le désir se manifeste? OK? Lorsque quelqu'un délibère sur les objets des sens. Donc, c'est quoi les objets des sens? Pour l'ouïe, c'est le son. Pour le nez, pour l'odorat, l'odeur. Le goût, pour le sens du goût. Les formes, pour la vue. Vous voyez ce genre de choses? La texture, on va dire, pour le toucher, ce genre de choses. Je sais pas si c'est vraiment la texture, mais il y a un équivalent. Pour, en gros, pour le toucher. Donc, chaque sens, il a un objet de ses sens. OK? Et dit, lorsque on délibère sur les objets des sens. Donc, qu'est-ce qui délibère sur l'objet des sens? C'est le mental. Donc, quand on laisse son mental fixé sur l'objet des sens, qu'est-ce qui se passe? Cela fait naître un attachement pour ceci. Si vous prenez des notes, vous pouvez mettre 1, 2, 3, comme ça. En gros, premièrement, le mental, il va sur l'objet des sens. On laisse le mental délibérer sur les objets des sens. Ce qui se passe quand on fait ça, il y a un attachement pour ces objets qui se créent, qui se manifestent, qui s'impriment en nous. De cet attachement naît le désir pour ces choses-là. Donc on crée un lien entre nous et ces objets, et du coup on a un désir récurrent pour cet objet d'essence. C'est pas forcément un objet, c'est parce qu'une personne, mais pour cette entité, disons, que nos sens peuvent percevoir, que nos sens peuvent percevoir, que ce soit une personne, un objet, peu importe, naît le désir. Donc on a le mental délibère sur l'objet des sens, un attachement est créé, de cet attachement naît le désir, et du désir naît la colère. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que si on a un désir, il y a seulement, enfin il y a trois possibilités, mais on va dire il y a deux possibilités que quelqu'un qui n'est pas sur le chemin spirituel, et même sur le chemin spirituel, on le fait quand même, peut faire avec un désir, c'est en gros, soit on remplit notre désir, soit on ne peut pas le remplir. En gros, c'est l'idée. La troisième possibilité, c'est on a un mental qui est plus clair et on arrive à contrôler ce désir. Ça, c'est autre chose. Si on arrive à contrôler le désir, on va le voir dans les versets après, Krishna dit, il faut être comme un océan dans lequel les rivières, elles rentrent. Les désirs, ils devraient rentrer en nous comme des rivières dans l'océan. Peu importe quelle rivière rentre dans l'océan, ça ne va pas faire déborder l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'océan, il est calme, il peut y avoir une rivière qui rentre dedans, ça ne va rien changer à l'océan. Il ne va pas commencer à faire des immenses vagues ou peu importe. Vous voyez? Donc, Krishna dit, on devrait être comme ça. Guruji m'a dit, exactement pareil une fois. Il m'a dit, les désirs doivent rentrer à l'intérieur de toi et juste couler comme ça, comme une rivière dans l'océan. Donc en gros, c'est pour ceux qui peuvent contrôler ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on peut remplir notre désir? Ce qui se passe, c'est que un désir donne lieu à encore plus de désirs. C'est comme mettre du ghee dans le feu. C'est comme mettre de l'huile dans le feu. Ça brûle encore plus, toujours plus, toujours plus. Le désir, il ne part pas en remplissant notre désir. Ça marche pas, ça n'a jamais marché comme ça. Si on veut arrêter de fumer, ce n'est pas en fumant à chaque fois qu'on va arrêter de fumer ou qu'on va se détacher de ça. Il y a des extrêmes, il y a des cas où, extrêmes où ça peut marcher, mais dans les principaux cas, ça ne marche pas comme ça. Donc en gros, on comprend que plus on s'engage dans nos désirs, plus on veut plus, on veut plus, on veut plus. Et ça crée cette avidité. Et cette avidité, elle nous rend amers, elle nous rend négatifs.
Rajasic, Tamasic, tout ça. Parce qu'on veut plus, on veut plus, on veut plus. C'est une des manières dont le désir peut aller, s'il n'est pas contrôlé. De l'autre côté, c'est on veut quelque chose, mais on ne peut pas l'avoir. Et du coup, On est frustré. ouais, c'est ce qu'il dit dans, ici, Kamat, du désir. Kamat, c'est. Ça veut dire du désir. Krodo Bijayate, ça veut dire Kroda Abijayate. Ça veut dire en gros Kroda. Kroda, c'est la colère. Bijayate naît du désir. Kamat naît la colère. Parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut et du coup, on a la colère qui vient. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est l'idée. Première partie du verset. Ça vous parle, ce processus? C'est quand on peut se rappeler de ce verset, c'est le genre de verset, si on peut s'en rappeler par cœur, vous allez voir l'utilité de ce genre de choses. C'est que d'un coup, vous pouvez désarmer ce processus beaucoup plus facilement. J'ai une question. Ouais. Donc, l'objet des sens, ça veut dire que c'est pas l'objet en fait en lui-même qui crée le désir, mais plutôt, par exemple, si on voit une jolie voiture, c'est plutôt en fait le sens de la vue. Enfin, c'est plutôt ce qui est entre nous et l'objet, c'est-à-dire la vue, qui crée le désir, mais pas l'objet en lui-même, si j'ai bien compris. Non, le désir, il vient une étape après. Premièrement, tu vois une voiture passer, par exemple. Tu vois. Et tu dis, ah, cette voiture, c'est exactement celle que je veux. Et du coup, tu commences à la regarder. Tu laisses ton mental aller sur l'objet des sens, qui est une voiture, dans ce cas-là. En laissant ton mental aller là-dessus, en commençant à penser à la voiture, en commençant à faire ce genre de choses, à faire des plans. Il y a un attachement qui se crée. Et de cet attachement vient le désir. Et après, tu as le choix. Soit tu contrôles le désir, soit tu fais tout pour le remplir en sachant bien que une fois que ça sera rempli, un autre va venir. Ou bien tu peux pas le remplir et du coup la colère, elle vient directement. Est-ce que c'est lié à la mémoire, en fait, ces attachements, au final? Parce que le fait d'avoir déjà possédé une voiture et puis d'en vouloir une nouvelle, est-ce que ça renforce, en fait, ce désir ou ça n'a rien à voir? Non, non, ça doit avoir un lien avec nos mémoires, parce qu'on ne désire pas tous la même chose. Simplement pour ça. Regarde. Tu vas peut-être, dans la rue, tu vas peut-être voir une belle voiture. Et pour toi, tu vas trouver cette voiture magnifique. Et ça va. Tu dis, ah, il faut que j'aie cette voiture. Et pour quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, il va être attiré par autre chose. Il va être attiré par, je sais pas, une paire de chaussures. Et toi, ça ne te change rien. T'as pas du tout envie de cette paire de chaussures, ça ne t'attire pas, tu vois. Donc, ou même la même voiture peut attirer quelqu'un et pas un autre. Donc, c'est basé sur quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est des mémoires, c'est des habitudes, une personnalité qu'on s'est créée sur ces mémoires, sur ces tendances. Donc, clairement, clairement, ça a une influence là-dedans. Mais la racine même de ça, c'est qu'on s'identifie avec le corps. Et dû à l'identification avec le corps, on a des désirs qui viennent. Parce qu'on pense, je suis ça. Je suis mon ego, je suis mon mental. On pense qu'on est ça. Et vu qu'on pense qu'on est ça, on s'identifie avec tous les désirs qui viennent de là. Par exemple, regarde, le mental, il crée un désir, j'aimerais cette voiture. Mais comment on dit? Tu dis, ah ben je veux cette voiture. Et du coup, ce je, cette âme, elle s'identifie avec le je de l'ego. Tu vois? C'est le mental qui veut la voiture. Si tu devais vraiment parler en termes de Sankhya, tu pourrais dire le mental désire une voiture. Mon mental désire une voiture. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Est-ce que ce serait une solution aussi justement de parler un peu comme ça, se parler à soi-même, en se disant mon mental, en essayant de se dissocier en fait dans un dialogue interne en fait de notre corps et notre âme? C'est une partie du karma yoga, c'est une partie du jnana yoga, c'est ça l'idée. C'est pas de se rendre fou avec ça, mais l'idée c'est juste d'avoir un peu de discernement, de se dire, mais d'où vient ce désir? Pourquoi j'ai ce désir? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va me remplir constamment? Non. C'est pour ça Parce que qu'on dit, ouais.
Parce que le fait de dire ben ça renforce l'identification. Donc peut-être c'est quelque chose, un mot qu'il faudrait ne plus trop utiliser ou. Non, bah c'est un mot qui est utile dans l'utilisation courante. Si tu dis plus je, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est juste qui c'est ce je? Avec qui t'identifies ce je? Parce qu'il y a le je de l'âme et il y a le je de l'ego. Donc l'idée, c'est le karma yoga, c'est d'agir en étant conscient que ce je, c'est pas l'âme-ka, c'est pas l'ego, c'est Atma, c'est le soi. Donc tu peux utiliser le je, mais en te rappelant que ce je, c'est pas seulement ce qu'il y a à l'extérieur. C'est quelque chose de plus profond. C'est ça l'idée du Sankhya. C'est pour ça qu'il présente le Sankhya au début. Parce que tout est construit là-dessus. C'est le principe du discernement, c'est de se dire, ok, est-ce que vraiment ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Est-ce que aller manger au resto là, est-ce que c'est vraiment utile? Ou est-ce que je ferais mieux de fermer Japa? Et ça vient pas du jour au lendemain. Ça sert à rien de se forcer à faire ces choses-là. Mais petit à petit, en faisant de plus en plus, un petit peu plus, un petit peu plus, des petits pas comme ça, en une année, on peut avoir changé complètement, sans se rendre compte. En mettant un petit peu de discipline ici, un petit peu de discipline là, on s'en rend même pas compte, et on a complètement changé. Et ça vient par ce discernement, ça vient par tous ces enseignements de la Gita, quoi. Et Guruji, les satsangs, c'est pareil, ce qu'il explique. Donc oui, c'est important de se rappeler de ces idées. Parce que c'est quoi le but d'étudier? Vous avez entendu le satsang juste avant de Guruji? Qu'il y a eu autant? Je sais pas, texte n'est même pas traduit. Mais en gros, je peux vous expliquer une des choses qu'il a dit. Il a parlé d'une des histoires dans les Upanishads. En très court, c'est l'histoire de Shvetaketu. C'était un enfant qui était parti dans les Gurukuls, donc dans la maison du gourou et de sa femme. Et pendant des années, avec les autres enfants, il avait étudié les Védas, la philosophie, tout ça. Il est revenu à 20 ans à la maison de son père, extrêmement, extrêmement, comment tu dis, instruit. Il connaissait les Védas, philosophie, il connaissait les arts, il connaissait tout ce que tu veux. Et son père, il l'a vu. Et il a vu qu'il était devenu super arrogant avec tout ce qu'il connaissait. Et du coup, il a vu, son père l'a regardé et puis il a dit, OK, comment c'était? Il lui a dit, ah, c'était excellent, maintenant je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Son père lui a dit, OK. Et là, l'Upanishad, c'est le point clé. Il lui dit, est-ce que tu connais ce qui, une fois connu, tout est connu? C'est un peu philosophique. Il dit, est-ce que tu connais cette chose qui, une fois qu'on la connaît, on connaît tout? Et du coup, son fils, Shvetaketu, il lui dit, mais de quoi tu parles, tu vois? De quoi tu parles? Et il lui dit, cette chose-là, c'est Brahman, c'est Dieu. Une fois que tu connais Dieu, tu connais tout. Tu vois? Et c'est ce que Guruji l'a expliqué. Et il a dit, c'est pas à propos de connaître des trucs, c'est pas à propos de comprendre des choses, c'est pas que de la philosophie, c'est pas ça qui est important. On peut étudier tout ce qu'on veut dans la journée, mais tant qu'on n'a pas cette expérience de Dieu, qui une fois qu'on le connaît, tout est connu, il n'y a rien qui a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces trucs-là, ils ont tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a fait, notre identité, tout ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne connaît pas la base qui fait que tout est connu. Et du coup, la question qui vient, qui m'est venu en tête, et du coup j'ai un peu réfléchi à ça juste avant qu'on commence. À quoi ça sert d'étudier? Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert d'étudier? Pourquoi est-ce que Guruji, il nous pousse, il nous dit, ah, c'est vraiment bien d'étudier la Gita, Bhagavatam, tout ça. Et en même temps, dans les Upanishads, et Guruji lui-même le dit, tout ce qu'il y a à connaître, c'est Brahman, c'est Dieu, et quand il est connu, tout est connu. À quoi ça sert d'étudier du coup? Vous voyez ce que je veux dire? Autant aller faire toutes nos journées, toute la journée à faire notre japa ou peu importe. Mais, et du coup, je réfléchissais à ça et la conclusion qui m'est venue, c'est parce que du coup, c'est ce que je passe beaucoup de temps à faire, étudier. C'est à quoi ça sert de faire ça?
Ça sert à créer un discernement à l'intérieur de nous qui est assez fort pour qu'on puisse vraiment se donner à fond sur cette recherche du Brahman, de Dieu justement. Et une fois qu'il sera connu, tout est connu. Mais pour avoir cette volonté, pour avoir cette clarté du « Ah, c'est mon but, c'est ça que je veux », c'est là que l'étude, elle prend tout son sens. C'est là qu'étudier les textes, ça prend tout son sens. C'est pas pour connaître des histoires. Le Bhagavatam, c'est pas pour connaître des belles histoires. C'est pour connaître des choses qui vont nous transformer notre mental, qui vont nous faire perdre notre appétit pour le monde matériel. Vous voyez? Dans le Bhagavatam, c'est ce qu'il disait, non? Ça rentre par une oreille. Les lilas de Krishna, ils rentrent par une oreille, ils purifient le cœur, et quand le cœur il est pur, Vasudeva, il se révèle dans ce cœur. C'est l'idée de ces études-là. Et du coup, ouais. Du coup, se rappeler de ces choses-là dans notre vie de tous les jours, c'est super important. Se rappeler de tout Bhagavatam, de la Gita, tous ces concepts du séparer le corps, l'âme, tout ça, c'est ce qui va nous aider à justement agir avec plus et plus de discernement tous les jours. Donc ça a son importance. Le chemin de la bhakti, la connaissance, c'est super important. Parce que sinon, on ne pourra jamais se donner à fond sur le chemin de la bhakti. Parce qu'on n'a pas ce discernement. Vous voyez? Je pense que ça répond un peu plus qu'à la question, mais vu que c'était Guruji qu'on a parlé, je me suis dit c'est une bonne parenthèse à faire. Sur ça. Je peux poser une question Oui, bien sûr, bien sûr. par rapport au désir, quand tu as la réalisation du soi, est-ce que tu es encore enclin au désir? Est-ce que tu ressens encore ça ou pas? Théoriquement, y a beaucoup de degrés de réalisation du soi. Comme Guruji dit, c'est une sorte de spectre immense entre les différents niveaux. Mais Guruji dit, tu peux retomber de ça. Donc si tu peux retomber, ça veut dire que tu peux nouveau être soumis au désir. Ouais. Et il y a un verset qui vient, je sais pas si je l'ai mis dans les slides, parce qu'il reste deux slides, du coup je pense pas que j'ai mis beaucoup de versets. Un des versets qui vient ici, il dit, en gros, quand on perçoit, on peut renoncer aux objets d'essence. Par exemple, on se dit maintenant, j'arrête de manger du sucre. Parfait. On peut arrêter de manger du sucre à l'extérieur, mais le désir pour le sucre, il ne va pas disparaître. On peut contrôler l'essence, mais le désir sera là. Et il dit, le désir lui-même, il disparaît seulement quand le suprême est réalisé. Donc en gros, ce qu'il semble dire ici, et c'est en gros ce que Guruji va expliquer, il explique aussi dans ses satsangs, et ce que Guruji, ce que la Gita aussi explique dans un autre moment, c'est que seulement quand on réalise Dieu, quand Krishna il se manifeste, quand Sriman Narayana il est réalisé, on est libéré de tout ça. Parce que le D'accord. mental, il a transformé complètement. Tu vois, la réalisation du soi, c'est plus une séparation du mental. Bhakti, par la dévotion, le mental, il est transformé. Donc quelque chose qui est séparé, il peut très bien se... Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si tu as cette réalisation du soi, à moins de retomber, effectivement, tu devrais plus être soumis au désir, en fait. Je pense que l'idée, c'est plutôt que tu as toujours des désirs, mais tu as Mais ce que t'as... pur discernement où tu ne vas pas dedans. Ou tu vends pas dedans, ouais. Parce que justement, tu es immergé dans ce soi, du coup, tu vois Oui, c'est les ça. désirs, mais tu n'es pas... Oui. Oui, ça me parle mieux, ouais. Faut bien. On parle du karma yoga aussi ici, non? Et pour nous, c'est important ce concept de karma yoga, de bhakti yoga, parce que c'est un chemin qui passe par l'action. On ne part pas dans la forêt pour stopper le mental. Et il y a deux types, comment on pourrait dire. Comment on pourrait dire ça? Deux types d'approches dans le yoga. Il y a le yoga type je vais dans une grotte, ou même dans sa chambre, peu importe, mais en gros, on médite, on pratique le yoga non-stop pour stopper ce mental complètement. Notre but, c'est s'isoler de tout, arrêter d'agir, on arrête d'agir, et notre but, on va stopper ce mental. Vous voyez? Mais si notre mental il stoppe, si on peut plus, si on n'a plus d'agitation mentale, on ne peut plus agir.
voyez ce que je veux dire? C'est un peu. Si maintenant je peux vous parler, c'est parce que je vous vois, c'est parce que je pense à un truc, c'est parce... Vous voyez ce que je veux dire? Pour agir, on doit avoir des pensées qui passent. Donc ce yoga qui dit qu'il faut arrêter le mental complètement, ce n'est pas le yoga de l'action. Donc c'est quoi ce yoga de l'action? C'est le yoga de l'intellect. C'est pour ça qu'il s'appelait Bodhi Yoga, le yoga de l'intellect. Ça veut dire quoi le yoga de l'intellect? Ça veut dire que l'important, ce n'est pas d'arrêter son mental complètement. L'important, c'est d'avoir un intellect extrêmement centré sur notre but. Peu importe ce qu'on fait, on agit, on continue d'agir, on continue de penser, on continue de faire tout ce qu'on fait, mais notre but, il est clair. Combien de fois Guruji il dit ça dans les satsangs? Qu'il faut que notre but soit clair. C'est ça le yoga de l'intellect. Parce que dans le yoga de l'action, comme on agit dans le monde, on ne peut pas arrêter notre mental. Si le mental s'arrête, on n'agit plus. On ne peut pas agir. Vous voyez? Donc le yoga que Krishna il parle à ce moment-là, c'est un yoga de l'intellect, où l'intellect il devient fixe. Tout ce que je veux, c'est atteindre Dieu. Et après, on peut agir, on peut penser. Ok. On essaie toujours de ramener le mental vers Dieu, mais on peut, voilà, on pense, on agit, on fait des choses, quoi. Mais l'intellect, il est fixe. Et vu que l'intellect est fixe, notre conscience, elle est fixe sur notre but, les actions n'ont plus de résultats. Les actions, elles nous amènent à la libération, elles ne nous amènent plus à plus de karma. Vous voyez l'idée? Yoga de l'intellect, où l'intellect est fixe. Ce n'est pas un yoga forcément où on arrête le mental. Si on arrête le mental, on ne peut plus agir. Donc c'est un autre contrôle du mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un contrôle du mental plus subtil. À tous les hadas? Mais la différence entre l'intellect et le mental, est-ce que c'est une espèce de mental supérieur? C'est juste différentes parties du mental. L'intellect, ce qu'on veut dire par là, c'est l'intelligence. En gros, l'intellect, c'est la partie qui est reflète sur les choses, tu vois, qui où on réfléchit sur les choses, on a ce discernement qui se crée avec l'intellect, tu vois, tandis que le mental c'est vraiment l'appréhension des choses. Donc quand par exemple dans le Patanjali Yoga, dans ce yoga qui va vraiment s'isoler, isoler le soi, arrêter ce mental, il dit que le yoga, la définition du yoga, c'est Chitta Vritti Nirodha. Ça veut dire Chitta, le mental, vritti, les fluctuations, nirodha, on les arrête. Donc il dit le yoga, c'est quand on arrête toute fluctuation du mental et on rentre dans le samadhi. Mais dans cet état, tu peux rien faire. Si tu es en samadhi, tu es comme ça, comment tu fais ton seva? Tu veux pas. Tu vois? Et du coup, le yoga ici, et de la Gita, c'est le yoga de l'intellect. C'est le yoga du discernement. Tu vois, c'est pas à propos d'arrêter toute expérience de l'extérieur, c'est à propos de mettre son discernement, cet état, cette intelligence, cette compréhension des choses qui est tellement claire, je suis pas mon corps, je suis mon âme, et j'agis sans désir, que à travers nos actions, on se libère. Ça répond à la question? Oui. Tu vois, le mental, c'est vraiment l'appréhension des choses. L'intellect, c'est l'intelligence, notre détermination. Tu vois? C'est pour ça qu'en étudiant, on rend notre intellect aiguisé. Plus on le nourrit de bonnes choses comme la Gita, le Bhagavatam, on rend l'intellect aiguisé. Ça veut dire que quand on a une décision à prendre avec notre intelligence, elle va être de plus en plus sattvique. Et un intellect sattvique, il voit les choses telles qu'elles sont. Un intellect tamasique, il voit les choses inversées. Il voit, quand quelqu'un lui veut du bien, il voit du mal. C'est l'intellect tamasique. L'intellect rajasique, c'est aussi confus. C'est tout le temps dans l'action, il faut faire des choses, c'est toujours confus. L'intellect sattvique, il voit les choses telles qu'elles sont. Donc on a ce discernement. Par l'étude, par la Bhagavad Gita, par la sadhana Guruji nous a donné. Par les satsangs de Guruji, notre intellect il devient aiguisé et sattvique. Et du coup, pour révéler les choses telles qu'elles sont. Et du coup, on peut vraiment interagir avec les autres parce qu'on n'est plus limité par cette mauvaise compréhension des choses. On peut vraiment voir les choses et les autres telles qu'ils sont.
L'intellect sattvique, l'intellect aiguisé. Et ça vient par l'étude, ça vient par toutes ces choses-là. Par la sadhana, surtout. Donc, deuxième partie du verset. De la colère naît l'illusion. Samoha, la confusion, en gros. Naît l'illusion. Bon, quand on est en colère, qu'est-ce qui se passe? On est complètement confus. Souvent, même un adulte, il commence à agir comme un enfant. Oui, en colère. On commence à agir n'importe comment, on fait des choses qui n'ont pas de sens, oui. Donc, on agit. L'intellect, il est perdu, on pourrait dire, quand on est en colère. De cette illusion, de nouveau, samohat, avec le T, de l'illusion, naît la perte de mémoire. Smriti vibhrama. Smriti, la mémoire, elle est perdue. Donc qu'est-ce qui se passe? On a cette colère, cette illusion qui vient, et du coup on perd la mémoire. Quelqu'un peut avoir fait du bien pour nous pendant des années, dès qu'il nous dit quelque chose qu'on n'aime pas, on oublie tout ça. Tout est oublié. Et on n'agit que sur cette frustration du désir qui a créé cette colère, tout ça. On oublie tout et on agit avec la personne comme si elle n'avait jamais rien fait pour nous. Où on oublie complètement tout le contexte des choses. Ouais. De la perte de mémoire entraîne la destruction de Bouddhi, de cet intellect, justement. On en a parlé beaucoup là, les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes, c'est à propos de cet intellect, quasiment. Et du coup, Bouddhi, de la perte de mémoire, entraîne la destruction de la discrimination. Et c'est là que je veux juste mettre votre attention sur l'importance de, une fois que vous serez à l'aise, d'apprendre un tout petit peu certains termes du sanskrit. C'est parce que quand on lit ce verset, et je vous le dis pour moi, ça vient de me le faire justement, quand on voit quels termes sont utilisés en sanskrit, tout a beaucoup plus de sens. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le sanskrit, c'est difficile, c'est pas facile à apprendre comme ça du jour au lendemain. Mais si on arrive à reconnaître les mots, toute la philosophie a beaucoup plus de sens. Parce que sinon, bouddhi, ça va être traduit une fois comme le discernement, la discrimination, l'intelligence. Et du coup, dans la Gita, on pense que Krishna parle de 32 choses différentes. En fait, non, il parle que de bouddhi. Vous voyez l'idée? Si on arrive à comprendre le terme que Krishna lui-même a utilisé, c'est souvent plus simple. J'ai eu un des meilleurs exemples là-dessus il y a quelques semaines maintenant. J'étudiais un cours sur une des philosophies de l'Inde. Et en gros, c'est un vieux livre qui a été traduit depuis le texte original. Donc le texte original qui parle des Védas. Et la personne, elle a tout traduit en anglais. Si vous lisez l'anglais, c'est impossible de comprendre quoi que ce soit. Littéralement. Impossible de comprendre quoi que ce soit. C'est que des termes anglais qui n'existent pas vraiment, qu'on n'utilise jamais de cette manière-là. Vous voyez? Mais le sanskrit, quand quelqu'un explique avec les termes en sanskrit, à la place de remplacer les termes, il garde les termes originaux, il fait la phrase en anglais, mais en gardant les termes clés originaux, tout est super simple. Et on voit ça dans la Gita aussi, c'est un truc important. Mais on pourra en parler plus tard et peut-être que dans un certain temps. Peut-être l'année prochaine, je pourrais commencer à vous apprendre le sanskrit, si vous voulez. Il faut d'abord que moi, j'étudie plus ça. C'est pas un sujet facile. Du coup, les bases, en tout cas, pour parler des bases. Et de la destruction de la discrimination. Donc, une fois que cette discrimination, ce bouddhi, il est détruit, il est confus, qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Simplement. Donc, c'est assez clair ce que Krishna nous explique. Ça commence par laisser notre mental délibérer sur les objets des sens et ça finit par être complètement perdu. Ouais. C'est la vie humaine. Et en gros, il y a des choses. C'est pas à vrai dire, c'est pas extrêmement drôle, mais aujourd'hui, j'étais sur un site internet pour rédiger un article. Sur lesquels on poste justement.
Et c'est un site internet où il y a plein, plein, plein de débats. Pas de débats, mais plein de gens qui parlent de plein de choses. Et si vous regardez les discussions qu'il y a aujourd'hui, c'est effrayant. À quel point les gens ne voyaient plus aucun sens dans leur vie. C'est des discussions sur la dépression, sur ce genre de choses, c'est incroyable à voir. Parce que vraiment, il y a une confusion immense. Immense. Il n'y a plus aucun repère sur quoi que ce soit. C'est pas pour tout le monde, heureusement, mais sur vraiment une certaine partie de cette génération, relativement jeune, c'est complètement confus. Complètement perdu. Complètement en dépression, à plus de sens, rien du tout. Et pourquoi? Parce que la discrimination est détruite à cause de la perte de mémoire, à cause de l'illusion, à cause de la colère qui vient du désir. Parce qu'on remplit constamment nos désirs, on vit dans une société qui nous dit, fais tout ce qui te fera plaisir et ça va t'amener. C'est ça le but de la vie. Et du coup, d'après Krishna, plus on fait ça, à la fin, on est perdu. Vous voyez le problème? C'est que ce qu'on nous apprend à faire, c'est exactement la manière parfaite pour être perdu, pour détruire nos discriminations complètement. C'est pour ça que c'est important d'étudier les bonnes choses, du coup, pour se remettre à niveau et pour de nouveau gagner ce petit discernement, quoi. À tous les deux. Quand on parle de la colère, est-ce qu'il y a plusieurs colères ou c'est une seule colère en fait spécifique qui est soulignée dans le texte là? Non, bah, il y a plusieurs colères en fonction de l'objet de la colère, on pourrait dire, j'en sais rien. Mais non, c'est en général. Parce que aussi, il dit pas que c'est un désir spécifique, c'est le désir en général. Donc ça, c'est assez général d'après moi là. Ça ne veut pas dire que toutes colères sont mauvaises, mais en gros l'idée c'est que quand on est énervé, c'est pas qu'on ne doit plus jamais être énervé dans notre vie. Mais c'est juste quand on est énervé, on peut se rappeler de ce verset et se dire, ah, mais du coup, ok, je suis énervé maintenant, peu importe. Quel est le désir qui fait que je suis énervé? Comment est-ce que cet attachement pour ça, il est venu? À quel moment j'ai laissé mon mental partir sur ces choses-là pour qu'aujourd'hui je sois tellement attaché à ça que quelqu'un me dise une chose et du coup je suis en colère avec la personne? Vous voyez? C'est l'idée du Sankhya. C'est l'idée aussi du Karma Yoga, de la Gita, tout ça. Faire cette introspection. Quand Guruji parle d'introspection, c'est clairement ça aussi. Ouais. Mais est-ce que la colère, en fait, ne s'exprime, enfin, n'existe qu'à cause du désir? Bah, tu pourrais dire qu'il y a une sorte de colère spirituelle aussi. Quelqu'un parle mal de Guruji ou des choses. Tu pourrais dire ça. Ouais. Mais j'irai pas trop là-dedans. Tu vois, c'est plutôt. Ouais. Et d'après Krishna, oui, la colère, elle naît du désir. Hein. Elle n'est que du désir. Mais après, le désir, c'est parce qu'on s'imagine le désir comme un truc, genre, ah, je veux une nouvelle voiture. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil que C'est plus ça. subtil que ça, tout à Le fait. désir d'identité, le désir d'être reconnu pour quoi que ce Tout à soit, fait, tout à fait. ça revient toujours à un désir. Ouais. Krishna semble le dire ici, ouais. OK. Ok, donc encore deux petites slides. Je pense qu'on peut les faire. On les fait? Je pense que c'est bien. Comme ça, on finit ce soir. Facile, du coup, Oui. si on ne s'engage pas dans cette pratique, il ne peut avoir ni réalisation, ni de mental focalisé. Sans un mental focalisé, toute paix est impossible. Et sans paix, comment le bonheur serait possible? Serait-il possible? En gros, ce qu'il dit là, c'est que le bonheur, il vient d'un mental qui est fixe. Et qu'est-ce qu'il avait dit dans les versets précédents, la semaine passée? Je vais vous le rappeler, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il disait, le problème quand on fait des actions pour atteindre les fruits de nos actions, on a un mental qui est divisé en plein de branches. Ouais. On veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et du coup, notre mental il est divisé. En tout. Divisé partout, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et du coup, il n'y a jamais de paix. Et sans paix, comment le bonheur est possible? C'est pas possible.
C'est pour ça qu'il dit karma yoga, c'est quand le mental, quand l'intellect, le buddhi, il est fixe, il a un but qui est fixe. De cette fixation naît l'équanimité. Parce que du coup, on est moins attaché au corps, on est moins identifié à ça. Et du coup, on devient équanime. Ok, cette personne, elle me parle bien, ok, elle me parle pas bien, ok. Elle dit que je suis la meilleure personne, ok. Elle dit que je suis une mauvaise personne, bon, ok. Il y a une sorte d'équanimité qui vient avec ça. Parce qu'on trouve le bonheur à l'intérieur. Et quelqu'un qui est heureux à l'intérieur, il n'y a pas forcément de désir. Les désirs sont quasiment pas là. Si on est heureux, le désir, il n'est pas forcément fort en nous. Et du coup, sans désir, il n'y a pas de colère et il y a la paix. Il n'y a pas d'illusion non plus. Donc il dit, avec un mental focalisé, le bonheur est possible. Sans s'engager dans cette pratique du karma yoga, en gros, d'agir en conscience du Sankhya, de notre dharma, tout ça, sans, si on ne s'engage pas là-dedans, il ne peut pas avoir de réalisation. Si on ne fait pas cette séparation, si quand on agit, on ne fait pas cette séparation, il ne peut pas avoir de réalisation et le mental ne va pas être focalisé. Si on ne renonce pas à nos désirs, si on ne renonce pas à ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'agir, mais ça veut dire qu'on renonce à la gloire, à ce genre de choses qui vont nous... On ne fait pas nos actions pour ça. Si on agit, on renonce au désir comme ça, du coup, là, oui. Là, du coup, le mental, il devient fixe. Il va à l'intérieur. Et tout est déjà à l'intérieur de nous. Tout le bonheur est à l'intérieur. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que une personne, dans cette réalisation, elle peut continuer d'agir. Elle peut continuer d'avoir certains désirs et d'aller à travers. Par exemple, on peut avoir envie de manger, ces désirs pour manger, tout ça, ça va toujours être là. Il y a même des saints qui vont avoir des enfants, tout ça. Donc il y a un certain degré de désir qui est là. Mais ça devient, c'est comme si vous avez, l'exemple qui est donné souvent, c'est imaginons que votre bras, il vous gratte. Vous avez une sorte de démangeaison sur votre bras. Vous prenez avec vos doigts, vous allez gratter à l'endroit où ça vous démange. Et en grattant, la sensation va partir et c'est fini. De la même, est-ce que vos doigts en grattant, est-ce que le doigt il est touché par la démangeaison? Non. Vous utilisez le doigt pour enlever la démangeaison et c'est fini. De la même manière, un sthita pragna, il va agir dans le monde, il va faire des choses, il va manger, peu importe, même avoir des enfants, peu importe ce qu'il va faire sa vie de famille, mais son mental, de la même manière que le doigt est jamais touché par la démangeaison, son mental sera jamais touché par le désir. Parce que le problème, de nouveau, c'est juste pour conclure ce chapitre, le problème, ce n'est pas les actions. Les actions, elles n'ont pas de problème en elles-mêmes. Le problème, c'est l'attachement et l'aversion. L'attachement et la répulsion pour les choses. C'est ça le problème. Si on est libre de cette attraction et de cette répulsion pour les choses, si on a atteint cette équanimité, peu importe l'action, ça n'aura pas de résultat. Ça n'aura aucune conséquence. Parce que ce qui crée la conséquence, c'est l'état du mental. Ce body qui n'est pas fixe. Ça crée des conséquences. Une fois qu'on est fixé sur le but, qu'on est dans l'équanimité, ça n'a plus d'influence. L'exemple qui est donné, c'est comme un serpent qui n'a pas de crocs, qui n'a pas de dents. Enfin, ce n'est pas des dents, mais qui n'a pas de... Comment on peut dire? Comment on dit pour un serpent en français? Comment? C'est les crochets. Crochet, voilà. C'est comme un serpent qui n'a pas de crochet. Il ne peut pas injecter du venin dans la personne. De la même manière, un serpent sans crochet, il n'y a aucun danger là-dedans. De la même manière, une action sans raga et dvesha, une action faite sans attraction ou répulsion pour les choses, dans l'équanimité, de la même manière qu'un serpent sans crochet, il fait rien, de la même manière, une action sans cette attraction, cette aversion, elle fait rien. On peut continuer d'agir. C'est ça tout le but du karma yoga. C'est ça l'idée du karma yoga. Donc, buddhi, l'intellect qui est fixe sur le but, on sait ce qu'on est clair sur notre but, on a l'équanimité sur ce qui va venir de nos actions. On essaie de se détacher du désir le plus possible, dans le sens où on se détache de
la gloire qui va venir de l'action, on se détache du résultat de nos actions. Et du coup, on devient fixe et nos actions, elles portent plus de fruits. Il n'y a plus de karma. Karma et yoga. De nouveau, juste se détacher du désir pour la reconnaissance, pour les fruits de nos actions, tout ça, simplement. Et ça commence très simplement par le soir, avant de dormir, Krishna Arpanam. J'offre tout à Krishna. Ça commence à créer cet état d'esprit. On commence par offrir nos actions à Krishna. C'est plutôt un. C'est une dévotion plutôt dans le type de karma yoga, non? Nos actions, on les offre à Krishna. Karma yoga, c'est purement je vais servir la société. Dans la dévotion, on offre tout à Krishna. Et du coup, premièrement, on offre tout à Krishna après avoir agi. Et plus on progresse, ultimement, on s'offre nous-mêmes et ensuite on agit. Ça, il y a deux étapes dans Bhakti. Premièrement, on fait nos actions et on les offre. On se purifie comme ça. Ultimement, on s'offre nous-mêmes et ensuite on agit. Deux degrés, justement, cette dévotion. Et le karma yoga, il vient préparer tout ça. Donc voilà, celui qui a abandonné tout désir, qui est exempt de toute envie, qui n'a plus aucune notion de je ni de mien, celui-là atteint la paix réelle. Ok. Sa shantim, la paix, adigachati, il atteint cette paix. Voilà quel est l'état de celui qui est parvenu à la réalisation. Donc vous savez la question de Krishna, la question de Arjuna. Qu'est-ce que c'est cette personne? Qu'est-ce que c'est ce sthita pragna qui est établi dans cette connaissance? C'est quoi? Comment il agit? Comment il est? Et du coup, Krishna est conclu. Voilà quel est l'état de celui qui est parvenu à la réalisation, le sthita pragna, au Arjuna. Une fois cela atteint, l'illusion n'existe plus. En demeurant dans cet état même à l'heure de la mort, on atteint la demeure de Dieu. Brahma nirvanam richati. Brahma Nirvana, le Nirvana, Brahma Nirvana. Il y a plusieurs fois que ça revient à ce Nirvana. On atteint ce Brahman, qui est cette pure béatitude. En gros. Le Brahman des Upanishads. Et voilà pour le chapitre 2. Est-ce que ça vous a aidé un petit peu à comprendre l'idée? C'est pas si facile. Le karma yoga, c'est pas si facile que ça a l'air. C'est pas un truc que. Souvent, on le prend un petit peu à la légère. On se dit, ah, c'est juste, ok, je fais mes actions, je suis pas attaché. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est pour ça, en étudiant ce genre de choses, on prend le chemin plus au sérieux aussi. Souvent. Et on apprécie beaucoup plus parce qu'on comprend. Et quand on comprend quelque chose, qu'on comprend ce qu'on fait, on apprécie souvent beaucoup plus. Du coup, c'est aussi une des bonnes choses en étudiant ça. L'appréciation vraiment qui vient par cette clarté qu'on a sur le sujet, tout ça. Et voilà. J'aurais une question. Ouais, vas-y. Nirvana, en fait, là, comme c'est écrit, on pourrait penser que ça pourrait être Brahma et pas Brahman. La demeure de Brahma et pas celle de la demeure de Brahman. Ouais, parce que ça s'appelle un, comment tu dis en français? Un composé, un samas. En gros, c'est quand deux mots sont mis ensemble, comme ça. Là, normalement, chaque mot, il a une terminaison, non? Par exemple, ici, Nispriya, Nirankara, tout ça, c'est un certain temps. Ça dénote, par exemple, pas un temps, ça dénote que c'est le sujet, par exemple. Ouais, ça peut dans ce cas-là. Mais dans ton exemple ici, Brahma Nirvanam, c'est un mot qui est composé. Quand il y a un tiret comme ça veut dire que c'est composé. Donc Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la place d'avoir une terminaison à la fin de chaque mot, par exemple, tu vois, Partha, Neinam, Am, Prapya, Vimu, Ati, tu vois, ce genre de choses, Richati,
Ricciati, c'est le présent, il attend. Et du coup, à la place d'avoir une terminaison comme ça à la fin de chaque mot, quand les mots ils sont mis ensemble, la terminaison elle tombe. Ah, d'accord. Et la termina... il y a seulement le dernier mot du composé qui prend la terminaison. Et du coup, c'est là la beauté du sanskrit, c'est que des fois il y a des longues phrases qui sont écrites que comme ça. Et du coup, il faut interpréter un petit peu sur ce que l'auteur voulait dire. Parce que du coup, tu dois reconstruire les cas, quel est le sujet, quel est, tu vois, le l'objet, tout ça. Des fois, tu dois reconstruire avec le contexte. Donc, c'est plus facile à écrire comme ça, mais c'est plus difficile à comprendre. Donc, Brahma Nirvanam. Ok, excusez-moi. Du coup, le réseau à la fin. Mais en gros, ce que je te disais, c'était juste que Brahma Nirvanam, c'est un composé. Et en gros, ça veut dire celui qui atteint ce... ça veut dire le Nirvana de Brahma. Brahma Nirvana. En gros. Ok. Est-ce que vous avez encore deux, trois questions là-dessus? Ou est-ce qu'on est bon? Je peux te demander un petit truc Bien sûr, bien sûr. parce que tu vois, je voudrais voir ce que ça représente dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, hein, de tout ce qui se passe dans la vie normale. Et comment arriver à caler ce que tu viens de nous détailler dans nos réactions de la vie normale. Quel point exactement? Alors, le désir, enfin, je ne sais plus dans quel sens ça marche, du désir naît la colère, etc. Ben, simplement, il y a une manière simple de faire ça. Juste, excusez-moi, parce que... Du coup, excusez-moi, juste une seconde, parce que j'ai aussi l'iPad à droite. Et le truc, c'est que... Voilà, parfait. Sinon, je pouvais m'entendre parler. Ok. Le premier point, quand le mental il reste sur l'objet des sens, la Alors, terre. d'accord, je vais être plus claire. Tout à l'heure, je me suis mise en colère Ouais. parce que, ok, j'étais fatiguée, d'accord, mais ma fille doit partir une semaine pour son travail. Elle laisse les trois enfants à son mari qui est déjà débordé de travail. Et moi, je leur ai dit trois fois depuis un mois, Fabien, il n'y arrivera pas tout seul. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Je dis, vous êtes sûr que Fabien va y arriver? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'un petit coup de main? Est-ce que on peut s'organiser? Non, non, ça ira très bien. Et aujourd'hui, alors que je venais de me faire 7 heures de route avec les barrages et machin, etc., elle me dit, est-ce que vendredi, tu pourrais pas venir garder les enfants, machin, tout, et samedi et dimanche? Et samedi et dimanche, nous, on a un rafraîchissement de l'Atma Kriya Yoga. Vendredi, je dois nettoyer la salle, je me suis engagée. Et j'aurais dit, mais vous m'auriez dit ça quand je l'ai demandé. Je l'aurais fait, mais maintenant, non, je suis engagée, je veux pas me dédire. Et j'aurais dit, mais vous ne pouvez pas comprendre qu'il faut s'organiser, que je ne suis pas à votre disposition. Et je ne vois pas comment ça se cale dans ce que tu viens de nous Tu expliquer. vois pas du tout? Non, pas bien. De quoi il naît cette colère? Dans le personnel. Bah, qui n'est pas La fait comme colère. on aurait voulu. Ouais, c'est que tu as un désir d'une situation. Oui, mais ça me semble légitime. Oui, mais c'est pas ça le problème. Ah, d'accord. C'est t'as le désir, vu que tu as le désir pour une situation, tu veux que les choses soient comme ça ou comme ça ou comme ça, on est tous pareils. On aimerait que les choses soient telle ou telle manière. On veut que nos actions soient comme on veut le fruit de nos trucs, oui. On veut que notre week-end se passe comme on l'a prévu, tout ça. Et du coup, quand quelqu'un vient obstruer ce désir, on est en colère. C'est exactement ce que le verset dit. Oui, mais c'est légitime. C'est Mais légitime, quelle est oui, la oui. légitimité? Parce que d'un coup, tu pourrais aussi te dire que, ok, si maintenant ils veulent que je fasse ça, ou peu importe la situation, tu vois.
Ouais. peux aussi juste choisir ce que tu veux faire, si tu leur dis oui ou tu leur dis non, peu importe. Mais tu peux aussi avoir, si tu as l'équanimité Oui. de ce dont Krishna parlait, si tu as vraiment cette équanimité, ben tu vas avoir chaque situation qui vient de la même manière. C'est-à-dire, ok, maintenant, cette situation, elle vient, je l'avais déjà vu venir de toute manière. Ouais. Du coup, tu peux réagir à ça, ça ne veut pas dire que tu vas être en colère. Tu peux aussi. Je peux le dire, je peux le dire tout simplement, ben non, c'est pas possible, je suis déjà archi blé. Exactement. Et tu n'as pas forcément de Oui, colère là-dedans. d'accord. Et encore plus si tu es un sthitta prajna, comme Krishna a dit, que tu es établi dans cette connaissance du soi, ben là, du coup, tu n'as plus du tout de colère. Tu vois. Oui, d'accord. Mais là, c'est un autre état, tu vois, c'est pas Peut-être comme que je m'en veux aussi de pas les aider parce que je me rends bien compte qu'ils en ont besoin. Après, il y a l'autre partie, il y a la partie humaine et la partie du service là-dedans. Mais Mais après, oui, chaque situation, elle demande quelque chose de différent. tout ça se mélange et après, j'ai du mal à trouver quelle est l'action juste. Mais au final, tu vois, au final, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu penses être le mieux, tu vois. Mais juste cette idée du désir, tu vois, tu as le désir pour une situation, tu veux que ça se passe comme ça ou comme ça ou comme ça. Ouais. Et il y a une obstruction. Et du coup, Ouais. la colère, elle vient. Ouais. Oui, le désir, c'est pas juste d'avoir quelque chose. Non, et puis le désir, c'est pas qu'il doit pas être là, tu vois. Le désir, il est constamment là. Mais comment est-ce qu'on réagit avec ça? Tu vois, cette personne établie dans la connaissance, c'est un karma yogi. C'est-à-dire qu'il agit toujours. S'il agit, il y a aussi des désirs qui passent. Et ces désirs, ils rentrent comme dans un océan. Comme des rivières dans l'océan. Il y a des désirs, oui, mais il ne le dérange pas. Du coup, il agit. Mais comme le doigt qui gratte le bras, non? Le doigt n'est jamais touché par ça. Il utilise les sens, il utilise le mental à gauche, à droite, mais il est établi à l'intérieur. Et du coup, il y a l'équanimité, peu importe ce qui se passe, cette colère, elle ne vient pas parce que ce désir, cette racine, elle a été éradiquée. Parce que le mental, il a été contrôlé. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que le mental, il n'a plus de pensée, ça veut dire que l'intellect, le buddhi, la discrimination, elle est fixe. D'accord. Et du coup, vu que c'est fixe, notre mental, il est contrôlé, on le ramène sur le but constamment, tout ça. C'est l'idée. OK. En gros. Et comment appliquer ça en pratique aussi? Juste le premier point du verset. Quand le mental, il va sur l'objet des sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on voit son mental s'éloigner, pour mettre ça en pratique dans Bhakti Marga, dans ce qu'on fait nous, chaque fois qu'on voit le mental s'éloigner, on le ramène sur le nom de Dieu. Parce que chanter le nom de Dieu, c'est pas le karma yoga, du coup c'est bhakti, mais quand on chante le nom de Dieu, on peut le faire constamment, peu importe ce qu'on fait. Et donc le mental peut être contrôlé, peu importe ce qu'on fait. Oui. Mais là, c'est la dévotion, c'est autre chose. C'est ce qu'on fait tous les jours. Le karma yoga, c'est la base pour tout ça. Après, c'est un aide pour la dévotion. C'est une aide pour la dévotion. De la même manière que le Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance, c'est aussi un aide pour la dévotion. Parce que plus on se détache du corps, plus on a conscience de cette différence entre l'âme et le corps, qu'on a étudié ça, qu'on s'est immergé là-dedans, plus aussi on va avoir du discernement sur notre pratique. On va moins être touché par le mental de ça. Donc ça va nous aider, notre dévotion aussi, pareil. C'est pour ça qu'on va essayer de bien comprendre ces yogas, tout en comprenant bien que ce qui est important pour nous, c'est la dévotion. Mais quand on comprend bien ces deux choses-là, karma, jnana, tout ça va nous aider à comprendre comment ils peuvent aider notre pratique, notre bhakti marga. Parce que la Gita, c'est un texte pratique. C'est pas un texte de pure philosophie comme ça, c'est un texte qui est pratique. Et du coup, c'est bien que tu poses cette question, du coup. Ça, on peut parler un peu de la partie pratique. J'ai encore une question sur la colère. Mmh. J'ai remarqué, d'après mon expérience, quand je suis en colère, j'ai toujours envie en fait qu'elle s'arrête. Donc ça inclut en fait un désir. Et lorsque je fais mes japas ou que je chante des mantras, ça m'éloigne en fait de cette colère. Mais est-ce que cette colère va disparaître un jour ou est-ce qu'elle est toujours là et c'est le fait de se focaliser en fait sur Dieu
qui fait que ça la rend moins existante. Utilise le verset. D'où elle vient la colère? D'où elle vient? Elle vient du désir, non? Du coup, plus tu chantes le nom de Dieu, plus tu te purifies de ses désirs aussi. Plus tu es purifié du désir, moins tu as de chances d'être en colère. Parce que tu réduis la source de la colère même, tu vois. Et aussi, plus tu chantes le nom de Dieu, plus ton mental il est contrôlé. Du coup, plus tu réduis à la source même, tu vois. Le mental, il va sur l'objet des sens. Cette partie-là, tu la réduis déjà. Ton mental, il va plus tellement sur l'objet des sens. Il va sur le nom de Dieu. Et du coup, peu importe ce que tu fais, c'est complètement purifié par ça. Et du coup, la colère, elle vient plus à un moment. Parce que quand ces désirs sont purifiés, il n'y a plus de raison qu'elle vienne. C'est comme si la mère de la colère. Tu vois, s'il n'y a pas de mère, il n'y a pas l'enfant. C'est la même idée. La colère, elle vient de ce désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de colère. Pourquoi tu serais en colère si tu n'as pas de désir? Tu vois, si tu n'as pas de désir et que tu es en colère, c'est parce que tu choisis d'être en colère. Et là, c'est comme Guruji. C'est comme ça, Guruji, c'est pour ça quand il peut être un gourou, il peut être énervé avec quelqu'un. Il peut, avec les disciples, la plupart du temps, il est super strict. Il peut être vraiment en colère extérieurement. Mais est-ce qu'il est en colère? Non, parce qu'il n'a pas de désir. Donc ça veut dire qu'il choisit d'être en colère. Il utilise ça pour un certain but. Nous, on subit ça. Lui, il utilise ça. C'est la différence. Ce que Guruji fait, ce qu'on fait. Pour ça, on ne peut jamais imiter le gourou. Parce que nous, on subit ses émotions. Le gourou, il utilise ses émotions. Super important comme truc. C'est pas pareil. Mais ça répond à la question? Oui. Mais oui, enfin, de mon expérience, ça marche. Ça part, je sais pas, pendant 2 ans, 1 ou 2 ans, c'était super fort. Pour moi, c'était super violent, quoi, la colère, comme ça, tout le temps. Ça venait fort, 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 fort. Et Guruji, un jour, il m'a donné un conseil, il m'a dit, c'est un gros point d'image, je lui ai demandé. Parce que c'était des colères, j'étais très conscient de ça, c'était pas quelque chose dont j'étais complètement inconscient, c'était vraiment consciemment la colère qui venait tout le temps. Et du coup, j'ai demandé à Guruji, il m'a dit, il faut que tu trouves l'amour dans la colère. Et le fait qu'il m'ait dit ça, je sais pas si c'est pour moi ou ça peut vous aider aussi, mais ça m'a complètement. Il y a un truc qui a cliqué à l'intérieur. Et du coup, chaque fois que j'étais en colère, je pouvais essayer de me dire, il est où cet amour à l'intérieur? Et du coup, ça désarmait complètement cette colère. Et maintenant, j'ai plus ça, j'ai plus cette. Évidemment, il y a toujours des situations qui vont me mettre en colère, mais c'est léger. C'est jamais quelque chose qui est régulier. Du coup, oui, ça passe. Pardon, est-ce que tu peux donner un exemple de comment tu trouves l'amour dans la colère? Pour moi, c'est un ressenti. C'est un ressenti, d'accord. Pour moi, c'est juste un ressenti. Juste une petite seconde. Ok, bah, excusez-moi. Pour moi, c'est vraiment un ressenti, ouais. En fait, tu te refocalises sur l'amour. Ouais, pour moi, c'est. Ouais. Comme je dis, c'est difficile à expliquer. C'est juste un ressenti de se dire, ok, s'imaginer qu'au milieu de la colère, il y a une sorte de. Trouver cette paix au fond. Tu sais, souvent, il y a toutes ces émotions, mais il y a aussi une paix derrière. Ça, c'est un truc en D'accord. devenant dévot. Pour moi, je suis devenu dévot, et j'ai réalisé un peu plus tard ça. C'est d'un coup, on ne s'en rend pas compte de ça, je pense. Mais peu importe dans l'état dans lequel on passe, il y a toujours une stabilité derrière. Et si on arrive à trouver cette stabilité, cet amour, on pourrait dire à l'intérieur comme ça, en général, c'est extrêmement efficace pour désarmer toutes ces émotions. On ne s'en rend pas compte de ces choses-là parce qu'on l'a constamment. Mais si un jour ça part, là, on s'en rend compte. C'est ce qu'on a perdu, je pense. Il y a plusieurs personnes qui ont pu expérimenter ça. Guruji leur enlève vraiment toutes les expériences qu'ils ont eues. Et c'est assez violent comme expérience. De se retrouver dans le même état dans lequel on était avant de connaître l'existence de Guruji.
Parce que des fois, le mental, il peut avoir un jeu. Le jeu du mental, c'est de se dire, ah, mais avant, quand j'étais dans le monde, j'allais en soirée, j'allais faire mes trucs, tout ça. J'allais faire mon week-end, j'allais avec mes amis, je faisais ce que je veux. J'étais libre et c'était le top. Mais ce n'était pas le top du tout. Parce que le mental, il tourne ça comme un beau film. Vous voyez? Comme, ah, tout était parfait. Mais rien du tout. Rien du tout. Le sentiment, c'est un sentiment de vide, la plupart du temps. Et on ressent plus vide vu qu'on est avec Guruji. Et qu'on a quelque chose de réel qui s'est éveillé à l'intérieur. C'est lui-même qui se place à l'intérieur de nous. Mais si c'est enlevé, là, on pourra se rappeler ce que c'est. Donc l'idée, c'est de. Si on a retrouvé cette. Pour moi, c'est ça, quand on disait justement trouver l'amour dans la colère, c'est juste retrouver cet état qui est justement derrière ces émotions. Je sais pas si ça peut aider, mais. Ouais, si, merci. Merci. Une autre question? Sinon, on peut Fait, terminer. Ouais. pardon, ça rejoint l'équanimité. Ça rejoint le fait de toujours effectivement, ce fond d'équanimité l'on peut ressentir, quelles que soient les situations, c'est se reconnecter à ce fond, c'est en fait aller plus profond, se reconnecter à cette équanimité en deçà ou au-delà de la situation elle-même. Ouais, clairement. Ouais. OK. Clairement. Clairement. Est-ce que c'est se dire on contrôle rien et tout est possible? Ouais, ça, c'est plutôt l'abandon. Mmh. Mais dans le karma yoga, il y a aussi cette partie-là du genre, je fais ce que j'ai à faire et au final, ce qui vient, je l'accepte avec équanimité. Ça dépend comment tu le vois. Ça dépend comment tu le vois. Les trois pratiques, Dhyana, Karma, Bhakti, les trois pratiques, elles amènent au détachement de notre, au je, mien, tout ce genre de choses. Et la manière dont c'est fait, c'est un petit peu différent. Du coup, c'est comme pour ça, l'abandon, ça peut. Tu peux dire, il y a un abandon dans le karma yoga où tu te dis, OK, peu importe ce qui se passe. Mais l'abandon dans Bhakti, c'est un peu différent. Parce que, en tout cas, pour moi, c'est que le fait de ne pas pouvoir contrôler les choses, c'est ce qui amène de la colère. Donc, le fait de me dire que je contrôle rien, c'est un truc en plus. Bah, le désir de contrôler, c'est aussi un désir. Donc évidemment, ouais, clairement. Chaque désir qu'on a, au final, c'est une source de colère. Donc si on arrive à travailler dessus d'une manière ou d'une autre. Mais en gros, qu'est-ce qui fait qu'on peut se détacher du désir? C'est quoi l'opposé du désir? C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, en anglais, c'est la dis. Je pense qu'on peut dire en français, dispassion. Pas comment on dit, l'opposé de la passion, quoi. Le détachement, mais c'est plus que le détachement. C'est vraiment quelque chose du. D'un coup, on est. Ces désirs, ils sont. C'est plus attractif. Et en gros, ça s'appelle Vairagya. Vairagya, peut-être que vous avez déjà entendu ça. Vairagya, c'est-à-dire cette. L'opposé de la passion, quoi, en gros. On devient dispassionné. Je sais pas comment on peut dire. On va plus dans ces. On n'est plus attiré par ces désirs, tout ça. Et du coup, on peut se dire, OK. Faut que je me force. Et dans le karma yoga, il y a un. C'est pas vraiment ça. Dans le jnana yoga, il y a un petit peu plus. Mais en gros, il y a cette idée de OK, faut que mentalement, faut que je crée cette dissipation. Faut que je crée cette. Faut que je perde le goût pour les objets de l'extérieur. Tu vois? Il y a un petit peu cette idée-là. Faut que cette vairagya, ce pur détachement, il s'éveille. Hein. Il faut que je me contrôle tout ça. Ta, ta, ta. Et il y a un petit peu de cette idée-là. Dans le chemin de la bhakti, c'est là que ça va différer aussi. C'est parce que dans le chemin de la bhakti, il y a une histoire dans le Bhagavatam, et je pense qu'on va finir là-dessus. Narada Muni, il marchait au bord de la route, et il voit une femme au bord de la route. Et elle a deux enfants. Et il va voir cette femme et il lui dit, mais ok, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Et il lui dit, c'est dans le Padmapurana. Et il lui dit, c'est pas dans le Bhagavatam, ça parle du Bhagavatam, mais c'est dans le Padma Purana. Et il lui dit, qui tu es?
Et cette femme, elle lui dit, je suis Bhakti Devi, je suis la dévotion elle-même. Et Narada, il est là, ok. Et il dit, et du coup, c'est qui tes enfants? Et il dit, j'ai deux enfants. Jnana, la connaissance, et Vairagya, la dissipation, le pur détachement. Donc en gros, cette pure détachement des désirs, c'est un enfant, c'est le fils de Bhakti. La connaissance de l'âme différente du corps, c'est aussi un enfant. C'est aussi un enfant, le fils de Bhakti. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire? C'est-à-dire que si on se concentre sur la dévotion, si c'est quand la dévotion s'éveille, automatiquement, on perd le goût pour l'extérieur. Et sur le chemin de la Bhakti, c'est ça qu'on fait. C'est pas à propos de se forcer à se détacher de tout, c'est à propos de mettre son mental sur Dieu et automatiquement, on se détache. Automatiquement. Parce que les deux ne peuvent pas exister en même temps. L'attachement pour Dieu, il peut pas être là tant qu'on est attaché au monde. Si on a des grandes ambitions à l'extérieur, on ne peut pas être attaché à Dieu. Si le mental est toujours sur ses ambitions, qu'on veut le fruit de nos actions, c'est pas possible. L'attachement pour Dieu va pas venir. C'est comme deux facettes de la même pièce. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Tandis que quand l'attachement vient pour Dieu, automatiquement le détachement il vient. Et c'est là que Bhakti, ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Parce que ce que les autres chemins font avec un immense effort, et souvent ça marche pas, avec la dévotion, c'est automatique, sans s'en rendre compte. Donc, au final, le vrai truc pour renoncer à la colère, c'est de mettre son mental sur Dieu. Parce qu'en mettant son mental sur Dieu, l'attachement pour Dieu est créé. C'est le même principe, non? Mental sur l'objet des sens, on crée un attachement pour ça. D'une certaine manière, c'est pareil. En mettant votre mental sur Dieu, on crée un attachement pour Dieu. Mais l'attachement pour Dieu, réellement, c'est quoi? C'est le détachement. La vraie définition du détachement, c'est l'attachement pour Dieu. C'est la seule manière qu'on peut vraiment être détaché des choses. Parce que le mental, il transforme. Quand quelque chose est simplement séparé, quand on renonce simplement aux choses, on se dit, ah, ok, je veux plus de ce téléphone, je le pose là. C'est pas ça le renoncement. Le mental peut toujours être sur le téléphone. Mais si le mental est à transformer, il n'y a aucune chance que ce désir y revienne. Un mental qui n'a pas changé, qui s'est juste détaché des choses, il peut très bien se réattacher aux choses. Pas de problème. Mais quelque chose qui s'est transformé, comme du beurre qui est devenu du ghee, le ghee il va pas retourner à l'état du beurre. Donc, quelque chose est transformé, il va pas retourner à l'ancien. Mais quand le mental il se transforme par la dévotion, il va pas retourner à ces désirs-là. C'est une manière sûre d'atteindre son but. C'est le message de la guitare. Tous les autres chemins, ils aident pour créer ça, cet attachement à Dieu. Donc, ultimement, pour nous, on met notre mental sur Dieu, on s'attache à lui. Cet attachement, il va automatiquement nous faire perdre le goût pour le reste. Donc, oui, on fait nos efforts, on essaie de se contrôler nos sens du mieux qu'on peut. On fait nos efforts pas à pas, mais ultimement, c'est l'attachement qui nous détache de tout. Réellement, c'est pas seulement nos efforts. OK. On a fait un peu plus long ce soir. Et du coup, c'est cool, vous posez les questions que les autres n'ont pas posées, du coup. Peut-être que ça aura répondu à ceux qui ne sont pas là. Et puis voilà, demain soir, on se voit pour le Bhagavatam. J'ai une Bhagavatam en français. Une partie, en tout cas, en français. Du coup, je pourrais vous l'envoyer. La partie dont on va traiter dans les prochains soirs. Et puis voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut finir là. Om Shanti 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 Shigrubhyo Namah Hare Om Ramsebo Sadgurudeva Shamesha Namah Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandari Ki Jai. Ok. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci, Merci. merci, merci. 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 Merci.